nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en ce lundi 22 janvier 2024, un jour après la prestation de serment du président de la République. Il y a un débat, les gens disent, est-ce qu'il est le sixième président de la République ou le cinquième président de la République? Vous aurez des réponses dans cette émission, on va réfléchir à haute voix. En tenant compte de certains éléments d'analyse que nous disposons, afin de permettre les uns aux autres de comprendre davantage Mayi Makole Kanamboka Congo. Retour sur cet événement historique qui a vu accueillir plusieurs chefs d'État et des délégations. On va parler de ça, incidence Nango sur notre vie. Porter événement en a. Qu'est-ce qui a été fait? Nous allons replonger. Donc, Zonga Nakati, il y a événement grandeur nature, événement encore grandiose pour les Congos, pour l'Afrique et pour le monde. On va parler de sa portée. On va parler de la retombée Nango et qu'on change ni le paysage politique en République démocratique du Congo. Les grands absents, on en parlera. Également, oui, le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est parti encore pour 5 ans. Le champion va diriger encore le pays pour 5 ans. Quelles sont les attentes? Ce deuxième mandat représente quoi pour le peuple congolais? Tokoye Bayango Nakatiya émission Nabiso. Oui, Joseph Kabila continue à étonner les Congolais par son silence, mais il n'étonne pas les Congolais par les pillages de richesses de notre pays. Une révélation vient d'être faite. Joseph Kabila azali détenteur d'un certificat d'enregistrement d'un hôpital construit par l'État congolais d'une valeur de plus de 18 millions de dollars. L'hôpital construit par l'État congolais, mais en réalité, les détenteurs, il y a certificat d'ango azali Joseph Kabila. Donc, ce monsieur continue à nous impressionner par les pillages qu'il a réalisés pendant 18 ans. Hôpital Ango Ezali Wapi, Nyonsoana Nakatiya et Mission Nabiso. On va parler d'autres sujets. Makambeko Lekana Este Tumba Nengoko Bundama. Les M23, Paul Kagame et ses supplétifs. Bako continue à essuyer ma défaite énorme. En ce moment, Toko Ebisabino, ma pinga Nabiso, ma bomi. Alors, plusieurs éléments théoristes, il y a Paul Kagame. Et puis on va chiter évidemment par les matchs d'hier qui opposaient la République démocratique du Congo na équipe du Maroc. Après match, nous avons suivi altercation entre le capitaine de notre équipe, Chancel Bemba, et l'entraîneur marocain. Et Souka Kiwanaté, c'était des insultes à caractère raciste. On va parler de tout ça Nakatiya émission Nabiso. Voilà, vous avez très bien fait de choisir Yeba TV, la chaîne d'excellence, la chaîne du savoir. Parce que nous avons l'obligation de vous informer et de vous former. Parce que la communication, c'est pas seulement informer, c'est aussi former. La communication à travers les médias est un outil intéressant pour la formation. Lobby, na Mbutu,
On a annoncé par la CENI les résultats provisoires et l'élection provinciale. Des noms que nous connaissons, Ebimi Ebele, des félicitations et aussi des scènes de liesse à gauche et à droite. Voilà mes remerciements à l'ensemble équipe Yaïba TV, l'entrée de jeu, pour la Moussala Toko Abattre, ce travail pour lequel Moutoumoka Benga Bisoté, Bissomoro Tomi Benga na Moussala, parce que ils ont les véritables sacerdoces, ils ont les véritables abnégations. Nous le faisons au péril de notre vie, nous le faisons avec beaucoup, beaucoup de détermination et de sacrifices. Mbote na DG Shadrach Loholo, mais aussi félicitations pour le travail qu'il accomplit. Mbote, félicitations à Pasteur Gili Bokwala, Miteranaya, mon ami, Trésor Kandolo, mon frère, Pascaline Kassongo, Abigail Kilungu, derrière la belle vitrine en ces moments, je salue le travail accompli par Rabbi Mokoko, Mike Chiswaka, sans oublier le restant et équipe Nabango, Oezali Kokambama par HD Les Petits Génies et notre ami également qui n'est pas là, Meshak Ochudi. Voilà, on commence notre émission, comme je l'ai dit en annonce. Le président de la République a été, bien entendu, a prêté serment. Cet événement, Ezali, n'a porté symbolique. Ezali n'a porté politique, Ezali n'a dimension spirituelle. Parce que le pouvoir politique est avant tout une question d'organisation de la société. Le président de la République, Ayi Mokonzi, il a les droits, il a les pouvoirs sur notre territoire. Nabato Bazali vivant, même Nabato Bazalité, parce que dans une entité, il existe et le spirituel et le physique. Nagolo Bayango, pas pour amener les gens à la perdition, mais Toyebi Yango, qui est une entité, le Congo, est un espace géographique, mais c'est aussi un espace spirituel. Et le représentant Ntambe, Sikawa, Namabele, Ezali Bokonzi Yamboka, on représente en Sciences Po, on représente Naba, doctrine divine du pouvoir, le président de la République et l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Parce que ces décisions peuvent détruire le pays, ces décisions peuvent amener le développement du pays. Et le quoi est salami? Mokolo ya samedi. C'est un événement d'une portée énorme. Parce que, aux une victoire, la Cour constitutionnelle a scellé Yango, mais Sikawa et Sengeli ba oindre yo. C'est comme ça dans la Bible et partout. On a vu les autorités être oint par les hommes de Dieu. Mais comme nous sommes plus dans les doctrines divines du pouvoir, nous sommes dans les doctrines populaires du pouvoir. Et donc, le pouvoir appartient au peuple. Ce peuple, à travers la Cour constitutionnelle, doit qu'oindre Moutou Oyo a gagné. Moutou Azali choisi. Moutou Azali choisi par le peuple doit être ouin pour lui dire désormais, Topesio. Autorisation au Bandako exercé Bokondinayo dans la plénitude. Bandeko, le gens qui pensent que c'était un événement ordinaire, ils s'amusent parce que événement salami le vent samedi, ils ont la conséquence Nengo sur 5 ans. Et c'est pendant ces 5 ans, à dater Yamukolo, ya samedi, ils ont déterminé. Les décisions que nous avons besoin de pour la Koufa ya Congo, pour le Biko ya Congo. Ça a un impact sur chacune de nos vies. Nangai, na vie na yo, na vie ya moto nyonso. Parce que nous avons besoin de tous misala. Mais misala wana, pour les hommes. Et c'est l'état qui a des conditions
pour la création d'emplois. Et Sengeli, tokende église, tetibiso tokende kosambe la lobby. Mais pour aller au culte, évidemment, il faut sécurité zala. Si l'État ne peut pas assurer la sécurité, plus rien ne se fera. Si l'État ne sait pas assurer le respect Yami Beko, nous serons dans l'anarchie. Et donc, notre survie dépend des décisions au tata wana mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya kozwa. S'il prend des décisions sages, eh bien, le pays avancera. Et je sais qu'il prendra des décisions sages. Ce qu'a su ma décision, Yamabe, eh bien, le pays régressera. Et donc, notre destin est entre les mains ya tata a prêté serment. Nous comprenons maintenant le lien, la portée qui existe entre la prestation de serment et notre destin en tant que peuple. Et nos aspirations, nous aspirons au bonheur. Mais ce bonheur doit être créé, ce bonheur doit être conçu, ce bonheur doit être diffusé. Et le président de la République, qui a les pouvoirs de l'État, lui qui a reçu mandat pour nous donner ce bonheur, pour nous apporter ces bien-neutres, et Singeli, à partir du moment où Bokondi, Bissoba Congolais, tout se réjouir, Makasi, au-delà de se réjouir, de l'accompagner. Kosa la Mokondi Mboka, moi je pense, d'après ma Kanisanga, je peux me tromper, et ça, alors qu'on a mouto et au Pessi Kilo, à mes mains. Mais tu dois l'aider aussi à transporter ces kilos. Aujourd'hui, ça qui n'a eu, il y a Bikedi, il y a Foufou, il y a Mbala, au Pessi Mouta, même un transporteur. Mais tu as la responsabilité de veiller que Mouta, comme Melayo, Kilo, Ana, Amemayango, bien Abungisa Yangote. Donc nous avons une responsabilité. C'est hier que nous avons dit au président de la République, Banda, comme ma Congo, officiellement pour la deuxième fois. Et à partir du moment où il a commencé comme ma Congo pour la seconde fois, nous avons la responsabilité de lui regarder. Yako veillé sur lui, yako aidé parce que azo même kilo ya yete, azo même kilo ya bisom de topesiye. Évidemment, il a voulu être président, mais on ne veut pas président parce que tu le veux, il ne faut que le peuple le veuille. Comment mon conjoint a été posé en aspiration? Sinon, tout le monde deviendrait président parce qu'on a tous les ambitions d'être président de la République. Mais pour y parvenir, essayez le peuple à porter. Et le peuple à porter, tant qu'à porter, ce même peuple de Moutaibissio, ok, conformément à Mibeko, Banda Sika wa Mosala. Et donc, cet événement qui a eu lieu, c'est un événement qui nous concerne. C'est un événement qui a un lien direct, qui a l'impactation sur nos vies. Tu vois qu'une église, que la tata Nzambi a pesa biso misala, mais tata Nzambi agit par les hommes. Tu vois qu'une tata Nzambi a pesa biso mabala, mais parce que les hommes, les jeunes, n'ont pas les pouvoirs d'achat, n'ont pas la capacité. Avec le mariage aujourd'hui, et comment le Colandet est fardeau. Avec la responsabilité, parce que ce n'est pas que le mariage, mais après le mariage, il faut assurer la survie. Il y a ménage, il y a foyer. Mais pour tous les hommes, et Sengeli, que des hommes et des femmes, Bafanda, Bakanissa, Baboulé, et puis agir, parce qu'ils ont les moyens de l'État, autopécibango pour agir en notre compte et pour notre intérêt. Ils agissent en notre nom et pour notre compte. Et le président le réplique, tout ça, les gens qui battent au monde événement, pambala. Mais vous manquez de vous-même. Vous jouez sur votre destin. Parce que tata mokondiwa na mboka. Makambo eko sala malobi. Et ça pour la famille na été. Et ça pour la banane na été. Et ça pour la Congo. Ils ont les questions d'intérêt général. Et donc, le samedi, le président de la République a reçu officiellement les cutus, les go. Banga Moussala Sika. Mais Moussala n'a pas ça, à Rotongaba hôpitaux. On construira les routes. On parlera sur Makambouya emploi et des jeunes. Mais ces emplois-là, c'est pour nous. C'est pour vous. C'est pour Batunio Sobagolela. Il a parlé sur les pouvoirs d'achat. Entre nous soit dit, le président de la République n'est pas à l'Iwana, à Gotika Bokondi, à Tigine Bokondi, à Lanzalata,
Il peut arrêter. Il dit, bon, je ne ressens pas la conduite. Je ne ferai plus la politique. À quoi faire la terre? À quoi faire la terre? Mais Bissot. Et donc, ce qu'il est en train de faire, les plus grands bénéficiaires et actions politiques n'aient et Zali Bissot. Et Mouto yo aïe, à Zubo Kondi, ton PCIE, que tu sais, maintenant retravailler, Bissot de photos à la heureux, parce que événement, on a, et qu'on transforme vie à Bissot, et qu'on met un plus. Banda le vente, soit nous allons reculer, soit nous allons avancer. Parce que l'avènement d'un nouveau président de la République, naturellement, il faut même encore il y a 6 cas. Et Sengeli et même encore impactation sur la collectivité. Et Angoana, Bissoba républicain, nous qui voulions que ce Congo aille de l'avant, nous qui sommes des patriotes, Ndeti Bino Mokota la Yeba TV, Yangobo accorda qui importance ma kasi. Na événement on a. Mais ce qui est curieux et puis surprenant, c'est qu'il y a deux gens qui ont saboté cet événement. Des gens qui ont saboté cet événement. À cause justement, il y a un clivage. J'aurais bien voulu voir au stade des martyrs, la prestation de serment, Joseph Kabila. Bon, celui-là, il a trouvé une excuse. Curieusement, Nakimukolo, Joseph Kabila Kumoko linga classe. Curieusement. Et moi je dis aux Congolais, Batika, Batuba Kolo, Babilo Kola, Batika Baventure, Kabila linga classité. A linga classité. A tamoukete. A lingi classité. A rouer ou linga classe Nakimukolo te. Et ça lingi mensonge. Mais parce que justement, Kabila n'a pas la grandeur que nous avons souhaité d'un ancien président de la République. Un homme qui nous a dirigé pendant 18 ans. Ça lui manquait quoi? À participer à la prestation de serment. Les présidents en fonction ont quitté leur pays, ont quitté leurs états, ont laissé leurs responsabilités pour venir participer à un événement. Mais un président, ancien président de la République démocratique du Congo, qui lui n'est pas président, qui n'a pas les responsabilités comme le chef d'état Obayakiawa, a préféré Kolbima Mboka à l'obi Akeinaye thèse doctorale. Kabila, que vous voyez là, Kabila faire une thèse doctorale. Vous vous prenez qui pour des cons? Arrêtez-nous ces bêtises. J'aurais bien voulu que Kabila soit là. Mais, voilà, il a prouvé encore, il a démontré encore, Kabila Laxibiso, qu'il n'a aucune considération pour les Congos et pour les Congolais. Aucun événement ne pouvait être plus important que Elokoana. Osalaga Mokondiamboka, Osasuna Pouvoirté, Mokita Ninoaye, Mande Aliboso, Mande Amibale. Il faut s'épeler la makasi. Il faut s'estimer être chanceux. Tu as des successeurs. Mais Kabila préféré que nous ressent la thèse. Thèse n'est le coutin. Le deuxième absent, des gens qui ne connaissent rien de la République, qui n'ont aucune considération, pas d'estime pour la République, c'est le cardinal Ambongo. Alors, qui là, Azali Moko et Bakondi, Bakambi, l'Église catholique. Laquelle Église catholique compte beaucoup de fidèles qui sont bateaux et pour soutenir Mokonzi Mboka. Au-delà du fait qu'il y a bateaux pour soutenir Mokonzi Mboka, les gens qui devaient être là-bas au stade, ce sont des Congolais. Parce que la victoire du président de la République, ce n'est pas la victoire du chef de l'État sur l'opposition. Non. C'est la victoire de la majorité qui donne le pouvoir à un président de la République, mais aussi à ses collaborateurs pour qu'il va décider sur les sorts et la société Nyonson. Les décisions que prendra le président de la République et qu'on engage et qu'on concerne chaque Congolais indistinctement et à parti politique naïe. Et qu'on a la tête qu'on a les Fayulu et qu'on a la tête qu'on a Moïse. Pour Moïse, il peut commis les Congolais d'après coup constitutionnel. Sur base et arrêt, la cour constitutionnelle. Et puis une parenthèse. Les gens disaient, Makambouno, Moïse Katumbi, Babimisi Makamba, loi des pères, parce que Bazana Posa a postulé. Il a postulé. Je pense qu'il est temps aussi que loi des pères et des mères est quotant.
Comme la cible n'était pas Moïse, comme Moïse est candidat, il a été candidat président de la République, il a été retenu par la CENI, par la Cour constitutionnelle notamment, cette question ne se pose plus. Alors, Congo est à poubelle, était tout son la scolaire sur la paire des mères. C'est le temps, il y a raison que sa loi en a peur des mères. Ça, c'est ça n'engage que moi. Et ça, il m'a parce que là, on ne parlera plus de l'exclusion. Parce que, ok, citoyen a été exclu. Moïse Katumbi est candidat. Il a été candidat. Donc, on peut maintenant revenir sur cette question des pères et des mères parce qu'il concernait tout Moïse. Pour Moïse, Azadé est candidat. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, que j'ouvre rapidement, et puis dans Zongi, dans ma solo. Et donc, on a la possibilité. Nous avons décision sur chaque Congolais. Le quoi là Congolais, c'est ça la loi de la démocratie. Majorité oya s'exprimer. Yende Moutou, Azali, Kokamba. Batonyoso. Les Kamouya majorité, opposition. Et le but est qu'on partage, on divise le Congo entre la majorité et le pouvoir. Non. Politiquement, ça n'existe pas. C'est par contre. L'autorisation d'agissement ne mutu ezali partager ba tiango na proportion banani balingi to sala yango biso banani balingi to sala yango te biso yo tango to kaboli autorisation et action politique ba oyo balobi to sala yango soki baleki ebele ba oyo ba boyaki ba ko subir décision. Parce que cette décision s'appliquera et sur ceux qui ont voulu et ceux qui ont refusé. C'est ça la démocratie. Et donc, Batio va voter Mukondi Yamboka. Comme va représenter 70%, 70%. Les décisions à reprendre et qu'on concernait, n'a Batio va voter qui est, n'a Batio va voter qui était. Pareil, il est élu président de la République, pas contre Batio va voter qui était, il est élu président de la République pour. Ceux qui l'ont élu et ceux qui n'ont pas élu. C'est-à-dire, Batu Oyo Balinga qui y est à l'éca, le quoi la basali majorité, cette décision est s'appliquée sur l'ensemble et Zalara Bongo. Donc, il y a majorité, non opposition, c'est-à-dire, nombre et pourcentage à Mokonzamboka et ça retardera à Mokolo et au coup qu'on s'en est à déclarer. Ce qu'on a déclaré, c'est fini, il devient président de la République. Naya, 70%, Naya, 23 ou 27% naba oyo ba s'exprimer quitter parce que tous ont dit dans Mboka il y a 100 millions d'habitants batu bakayi ko s'enroler 40 millions batu bakayi ko voter 18 millions c'est-à-dire conséquence c'est que batu ya mingi ba voter té ba congolais belé ba voter té mais naba principe na biso démocratique batu la majorité qui s'est exprimée. Yende Moutazali qui a incarné la voix y a battu nion sao bas s'exprimer guité. C'est ça la démocratie. Si vous avez une carte sandak, vous avez une banane sans botuni, banani, balingi, babeta ndembo. Botali critère, babébé basa combien? 3, barobeta te. Ba invalide basa combien? 4, barobeta te. Oyo batikali. Cette victoire concernera les restes de Batoyo, va participer à quitter pour X ou Y raison, mais Oyo Bazali Banayanda Kouana. Voyez-vous? C'est quand tu as une compétition, Ndako Nabiso et Robeta Nandako Moussousou. Ba joueur auto-sélectionné pour la Robeta Ndembo. Victoire na Bango Etali. Mboka Mobimba, et Zandeng Mokona Maponami. La victoire de la majorité, c'est la victoire de tout le peuple congolais. Qui s'est exprimé par la majorité, Oyo, ba s'engager. Mais il y a d'autres qui va s'engager, mais qui se retrouveront dans Katia décision. Voilà. C'est ça la démocratie. Non, c'est la victoire du peuple congolais et non de la majorité sur l'opposition. Parce qu'il n'existe pas des peuples de la majorité, tout comme de l'opposition. Il existe des Congolais. Congolais opposition la majorité dans le raté. C'est les Congolais. À la base, nous sommes tous Congolais. Donc, Makambo et Salami Lobi et Taliba Congolais. C'est leur destin, c'est leur devenir. Tout ça, on a pensé à chômage ici, là, Kuna. Mbien n'a pas décision n'aïe Kozoa. Tout ça, on a pensé à Mouibé ici, là, Namboka au Congo. Kuna n'a pas décision n'aïe. Tout ça, on a pensé à toi aussi, en sécurité. N'a pas décision n'aïe. Tout ça, on a pensé à insalubrité ici, là, Kuna.
tout ça la pensée tout ça bah logement sociaux décent kuna tout ça la pensée tout réduire marginalité exclusion sociale les alli kuna la quatre bah décision bah transport kuna donc boyé inaie pour un second mandat les alli pour na devenir nabiso mais le que comme singaï dans tout ça c'est que le cardinal Ambongo a démontré encore une fois sa nature rancunière. Ce n'est pas une question personnelle. Et ça, c'est comme l'État. Pas comme l'État, mais comme ça, et comme ça, il y a une animosité personnelle. Comment le cardinal Ambongo, alors que le chef religieux était pour la plupart au stade, va participer à un événement solennel. C'est le respect qu'ils accordent à la République. C'est de la considération au Bazali Nango pour les institutions Mbokanayabango. Et les hommes de Dieu devaient être le premier à comprendre l'importance qu'on revêtir pouvoir politique, mais aussi république. Le cardinal Ambongo, alors que les fidèles catholiques sont mingi, va soutenir Mbokanayabango, Mboka, va fidèle, voilà, Bazali. Bah, congolais, parce que le cardinal Ambongo azali archevêque métropolitain, archevêque de Kinshasa. Azali archevêque de Kinshasa. Azali ya Congo. Azali archevêque ya Rwanda. C'est-à-dire tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment un événement d'une importance capitale pour ses fidèles, parce que les décisions que Ombo Kondzambo a reçues et qu'on s'appliquait sur les Congolais. Mais na kati ba Congolais wana, ba catholique azali. Quand le cardinal Monseigneur Ochoa le disait. Alors, Tozali n'a pas fidèle. Le cardinal Ambongo aussi l'a dit. Tozali n'a pas fidèle, n'a pas fidèle, tu vivras dans le peuple. Mais quand c'est le peuple, on a eu pour voter, mon Konzambora Félix Tshisekedi. Pour l'unité, pour témoigner le peuple, on a eu pour fidèle, n'a considération à participer dans un événement dans lequel les Bango Moutouba autorisé. Le cardinal Ambongo a brillé par son absence. Et Kamusinga Imakasi, c'est une erreur politique, c'est une erreur grave pour un homme na stature naïe. Il faut qu'on évite qu'on démontre ba faiblesse moussou tozali nango en tant que humain. Je comprends que c'est un humain et sa nature humaine, faiblesse humaine, imperfection bomoto et kangiye. J'aurais bien voulu à la qui sa grandeur naïe, c'est-à-dire à participer dans cet événement posant un problème moi personnel na mokondi ambokate. Ba inimité, ba wole na le côté. Ici il est question, il y a allégeance à la République et lui devait être là. Tout en index, ça m'a quoi? Tata n'a bisou Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi le Barazagi grand esprit. Etienne Tshisekedi, moi n'ai mon bout à Koufi, banani, aïe mouto à Liboso, pour le consoler, c'est le docteur Etienne Tshisekedi. Pourtant, a ou teko bétama, pas mon bout. Torture, relégué plusieurs fois dans Mbokanaï. Humiliation au Azui. Mais quand c'est une question d'humanité, bande de konabiso, peu importe ma kambeko gozala, et ça n'a pas si je moussousou, ce qu'on yango, bon moutou fou zonga. Lui, peu importe na si je kaya liwa, ma tanga, attend n'engenini, attend yoka la rana moutouté, kande ici la ka. Nenge moko makambu ya mboka république ate oyo kana kana mokonzi wana te mais ceux qui va voter ye esengeli ko s'incliner na volonté ya peuple makambu pe abufia mais le cardinal Ambongo vraiment absence na ye et kamusinga yi makasi ça prouve que le cardinal azali vraiment rancunier bandeko hier nous avons assisté na kei na entrée triomphale ya président de la république. Il est cinquième ou sixième président de la République. Il est le cinquième président de la République. Parce que nombre, c'est-à-dire quoi? Alignement. Chiffre. Il y a mon Mboka. Et ça est lié à l'individu. Vous comprenez? Et aussi, et ça est lié à mandat. Tout expliqué. Congo est bandi. Kassavou, vous président. Après, Mobutu, président. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. C'est-à-dire, dans l'arithmétique, 1
2, 3, 4, 5. Félix-Antoine Tshisekedi, il est le cinquième président. Mais Sikawa, tant qu'Azali président de la République, Azali n'a pas mandat. Asali mandat à Liboso, Asali mandat à Mibale. Comme c'est la même personne, Moutasali mandat à Mibale, il continue à être le cinquième président, mais qui aura exercé deux mandats. Donc, Azali, sixième président de la République, Ndenge Batumsu Bakolobayago. Deuxième des choses, ce qui a sali le mandat Moko et que tout sali si l'élection de 2023 a échoué et que Zongi en 2028 a réussi, est-ce que tout le monde est là? Tout le monde, sixième président, tout le cinquième président. Oui, Azaga a cinquième président. Mais cinquième président a exercé pouvoir deux fois. Ayaka, na mandat à Liboso. À Katani, à Zongi Lissousou, na mandat à Mibale, après que le président Moussousou soit na Katikati wana. Donc, balingé balwara, le retour, il y a cinquième président de la République, mais non sixième président de la République. Donc, les Kambou, il y a président nombre, et ça les lié na ba individu. Voilà, je pense que je suis na les Kambou, na zali dans Nanzela, je suis dans la rationalité et dans l'objectivité. Bandeko, hier, et samedi, avant hier, na événement wana, a kondi andenge na ndenge bazalaki, bazalaki bongo, banalise, pe ba commentaire na bango, vivez en image, la réaction, il y a VPM, il y a économie, tour à tour, VPM économie, na, au cadre msusu, il y a parti présidentiel, réaction na bango, ndenge balobaki, na micro, il y a Meshak, Mike Tshiswaka et puis Rabbi Mokoko, suivi en image et on rentre pour continuer notre débrief. La population dans nos cœurs. Alors, nous avons l'obligation de répondre à ces attentes. Cette population qui a fait confiance à Félix Tshisekedi, en voyant tout ce qu'il a fait dans cette phrase, on a la chance de nous sommes à ses côtés pour nous. Vous êtes l'un des grands qui ont mouillé les maillots pour qu'ils soient réunis. Qu'est-ce que la population comme l'espère à prendre de vous précisément de vous? Le maximum de l'effort. Je donnerai tout ce que j'ai. Les ménageurs, ok, l'effort pour l'amour, pour ce peuple, pour la loyauté, pour le gouvernement. Merci. Son deuxième mandat. Aujourd'hui, d'abord, ceci pour célébrer les gens. Je crois que Félix Antoine Tshilombolo, qui va achever ce mandat, il va laisser le pays dans des conditions telles que vous ne l'avez pas encore. Donc, il faut lui faire confiance. Et vous le savez, le peuple l'a plébiscité. Le peuple doit continuer à le soutenir. Parce que tant qu'il a son peuple derrière son dos, le président de la République va contribuer à faire tout faire pour le développement de ce pays. Et nous avons plusieurs crises, notamment la crise à l'Est. Il est certain qu'au cours de ce mandat et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, l'agression rwandaise, l'agression de notre pays a été victime de la part de cet État voyou qu'on a fait le Rwanda. Il sera mis fin à cette agression. Et afin que notre peuple soit désormais debout et se tourne vers l'objectif essentiel, celui du développement et de la renaissance. Et je voudrais dire une chose. Je crois que c'est François Fanon qui disait il y a quelques décennies, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée en RDC. Et nous avons aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le commandant suprême de nos forces armées. Il a la gâchette et il va pousser sur cette gâchette pour enclencher le développement et la renaissance africaine. Professeur Mbata, on clôture par là. Ouais. Aujourd'hui, l'opposition continue toujours à contester. D'ailleurs, ils ont prévu une marche aujourd'hui pour dire que non, le chef de l'État n'est pas élu. Ça, c'est un braquage électoral. Que direz-vous à l'opposition qui continue à manifester jusqu'à aujourd'hui? Bon, je crois que l'élection doit être un peu démocratique. Vous l'avez vu même aux États-Unis. Oui. Il y a des manifestations partout. Mais je crois que dans une démocratie, lorsque le peuple a parlé, surtout avec cette majorité écrasante des sans précédent, 70%, lorsque le peuple a parlé... Merci Rabbi Mukoko pour ces belles images que nous avons vues
na Bongo na stade des martyrs lors de la prestation de serment. Il y a Mokonzi Mboka. Je tenterai tantôt de dire que la classe politique, le peuple congolais, pour la bisounioso, pour le monde religieux, événement un lobby. Et là qui il y a samedi, c'est un événement exceptionnel. Vous avez vu le président de la République à Koko Taloko, la reine d'Angleterre, Bachevo, Mupanzi, escorte Kitoko. Je salue les Congolais qui sont venus à Mans très tôt. Mais qui déjà pour être bamona mokonzi na bango. À l'époque, Joseph Kabila zaiko sala ba serment Katimini ya kobata makuna. Azaiko banga ba bambeta libanga. Oui, abiso mokonzi mboka na stade. Na stade des martyrs. Président populaire. Manami balako kota yango peuple naye. Aucun incident. Batu bisengo na bisengo. Fête inde fête. Oui, ils ont fait pour la bise congolais. De vrai, mais ils ont fait côté ennemi, graissement des dents. Oui, graissement des dents parce que Bango et Sengonabi, ce salaire à Bango, pas si. Et Sengonabi, ce salaire à Bango, pas si. Pas de félicitations de la part de tous ces soi-disant opposants. Aucune félicitation. Je salue l'excellence Tony Kazisu Bulamba, qui était aussi candidat président de la République, dans l'élection, dès l'entame, il a dit, peu importe issue, il y a l'élection, peu importe résultat, na kondi mayango kakabongo. Bonjour, des républicains, des hommes d'État, des gens qui voient ce que les autres verront et subiront. Il a vu la République. Il a vu l'intérêt supérieur de la République, la stabilité de la République démocratique du Congo. A Kenama Ponami, à Lobby, peu importe, ici, il y a belle élection, yo, ngai na kondima résultat na yango, ebi maboye, nga na kondima yango kaka, pour na stabilité ya mboka. Voilà un homme d'État. Résultat yango pe bimi, kaka nenge à Lobaki ki yango, a félicité tata mokondi ya mboka yekolo. Voilà de modèle politique. Il dit, je participe dans ces élections, peu importe l'issue, nakondi mayango. Résultat, Ngope Bimi, il est le premier à féliciter le président de la République, Mouto a gagné. Tonis Kazis Bolamba, ancien gouverneur d'Équateur. Voilà des hommes d'État qui comprennent c'est quoi la République. Au-delà de l'intérêt partisan, on a un clivage, il y a un bisou. Mais côté il y a tintérisme et opposition, des tintins. Non seulement que ma félicité, mais va briller par leur absence. Pourquoi? Vous avez un problème. Tu as un problème dans la République. Mais si vous avez un problème contre le président de la République, et vous avez évidemment problème contre la République. Parce que l'événement n'est un événement personnel. Ce n'est pas le président de l'IDPS qui a prêté serment. C'est le président de la République, bon sang. Tout expliquer, Binondereni. Vous savez, madame, qui est? Vous aspirez à devenir président de la République, Namboka au Congo. Mais comportement Nabilo et sa même dignité de chef d'avenir. Parce que quand vous aspirez à devenir président de la République, il y a des attitudes, il y a des aptitudes, il y a un comportement. Il faut transcender l'ego, transcender les clivages, transcender les bassesses, comment c'est un niveau. Il est élu président de la République. Et prenez votre mal à patience. Attendez 5 ans. Préparez-vous. Vous n'avez pas été efficace sur terrain. Vous vous êtes comporté comme des véritables tintins. Le peuple vous a vomi à cause. Il y a ma gêne à Binoubogosal, à l'okola, vers des terres. Vers des terres, Bobokele Mungwa, Moutiopi. Bobo s'est comporté exactement à l'okola, Moutiopi, Bobokele Yango Mungwa. Conséquence, Bobo Miko Lenga, 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 Lenga. Mais il a remporté les élections. Faites allégeance à la République. Est-ce que dire félicitations au président de la République, ça vous diminue? Rien.
allez na comportement ya boye ngai héritier ngai china que peut ko voter bino to bande ko ngai ba ko tala émission ba ko voter bino ça jamais jamais vous n'êtes pas capable de transcender ba clivage ndenga mo ko pena cardinal mbongo incapable de transcender ba clivage na élection salama ki mabé élection salami boye bande ko boye ko le ko révélation na ko sala yo na ko sala la bino élection salama ki mabé ton dimi yango. Oui, salama kibo, ton dimi yango. Mais Salomon Escadé là, va voter ndenge nini, conseiller à Moïse Katumbi. Comment il a été élu? Lui qui n'a pas bâti campagne, lui qui est en prison en ce moment. Va voter. Kaka, na élection yo, oyo, va bengi à Moïbi. Par combien de personnes va voter? Il a été élu par 20 000 personnes. Alors qu'il n'a pas bâti campagne, alors que pendant tout le temps des élections, il était en prison. Ce qu'on a l'église n'est ni une élection au Bokobenga, simulacre. Donc, quand Salomon Escadé la passe député national, Namaniema, je crois bien, oui, conseiller spécial, oui, il a été élu au Maniema, dans la législative nationale, avec 20 000 voix. Et battu à Moïse Balobio, pour pas Namaniema, on va en confiance d'ailleurs. Mais on a dit que c'était des simulacres d'élection, et c'est que l'élection Lokuta. Donc, on pouvait prendre le nom de Salomon Escadé là-bas effacé encore. Mais comment il est passé député national? Honte à vous, Sony Nabino. Batumokobu, si la Sony. Il est élu avec 20 000 voix. Et puis, beaucoup célébré. Yoga Makamoubolobi, élection, sans présence physique, en prison et malade. Conseil spécial de Moïse Katumbi, meilleur élu de Maniema aux législatives. Provincial, avec plus de 20 000 voix. Il est élu avec plus de 20 000 voix. Dans la législative, provincial. Il est élu avec plus de 20 000 voix. Pourquoi il n'y a pas de combo? Na Kindu. Il est élu na Kindu avec plus de 20 000 voix. Sikoyo, tant qu'on va voter, et ça, c'est l'élection de tricherité. Tant qu'on va voter Kadi Malonge Mouluba, tant qu'on va voter, tant qu'on va bimi, et sa nomination, parce qu'on a dit que c'est une nomination, donc Salomon Escadé la peut pas nommer. Donc conseil spécial, il y a Moïse Katumbi, il va nommer. Bon, le coup là, bon, le bique, n'aïe pas n'aboui résultat, wana. N'aboui pas résultat, Salomon Escadé là, il a été nommé. Le coup là, bon, le bique, bah, tu n'y as pas nommé. Salomon Escadé là aussi a été nommé. Je refuse ses résultats. Vous dites qu'il est le meilleur élu. Maintenant, on a bimi si est. Le résultat, il y a Seni dirigé par Kadima. Kadima. Bozoloba Kadima. Donc, Kadi Azokosa. Mais pour Salomon Escadé, la Kosipe. Quittez les bêtises et la sorcellerie. Aimez votre pays. Mbongo Bogo Liawana. Eko Sila Kakaka. Eko Sila Kakaka. Bandeko. Deuxième série, il y a interview. Rabbi Mukoko présenté Bisso, Tozonga, To vivre en image. Deuxième série d'interview, Bandeko Bazalaki, Kuna na stade, bah, éminent politique, Oezali, notamment Noël Tiani, et les autres. Oyo Bapesaki, je félicite aussi Noël Tiani, qui lui aussi a montré une attitude républicaine. Boyoka, Rabbi Mukoko en image, on rentre pour chuter. Il faut nécessairement que le Congo soit géré par ses fils, c'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une qui a des parents congolais de deux côtés, du côté de la mère, généralement du côté du père, et lui-même aussi marié à un Congolais ou bien à une Congolaise d'origine. C'est ça le sens donc de la souveraineté nationale et la réaffirmation de l'indépendance pour laquelle Patrice Lumumba a perdu sa vie. Vous avez soutenu un candidat qui est Félix-Antoine Tshisekedi, qui est réellement élu aujourd'hui, réélu aujourd'hui. Quels sont vos sentiments après avoir pu soutenir un candidat et être élu? Je n'ai pas compris la question très bien. J'ai dit, vous avez soutenu le candidat Félix-Antoine Tshisekedi qui est réélu aujourd'hui. Vous avez des sentiments de voir un candidat que vous avez soutenu être réélu aujourd'hui massivement? Et bien sûr que oui, parce que
en soutenant, en désistant en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi. Quand je le vois élu et qu'il va donc procéder à son investiture aujourd'hui, c'est comme si c'est moi qui étais élu à sa place. Par conséquent, je me réjouis que l'un de nôtres, un fils maison, puisse occuper la présidence de la RDC. Et c'est ça le sens de la Matiani, des pères, des mères et des épouses congolais d'origine. Merci beaucoup, Président. Vous avez dit qui est la RDC. J'ai eu à pas de compagnie comme chargé de monter dans la compagnie. Ça va être un engagement personnel aujourd'hui. Je termine la première fois. Comme chargé de monter. Je ne sais pas si je suis en train de me faire les choses. Et donc, ça compte la chose de ok, aujourd'hui l'idée fait ce que vous avez rappelé en tout cas la majorité, un mot par rapport à ça aussi, laissons vous trouver par rapport à ce que vous avez dit, la population, mais de pouvoir en faire des histoires par rapport à ces législatives-là, pour nous de l'opposition et surtout pour créer des relations mondiales, un mot par rapport à ça. Bien, merci beaucoup à mon frère Rabbi Mokoko pour cette image. Vous avez vu Binomoko Bolandi, réaction et Batou Bazalaki, Nasta des Martyrs, ceux qui ont attaché de l'importance et de l'estime à la République, pas tous ces autres-là qui jouent au tintérisme, mais bon, ça, là, aventure, il y a pamba pamba, nous, on continue à travailler. Le président de la République a promis un certain nombre de choses de Yokayango pour le mandat Oyo. Mandat Oyo, c'est mandat Moro très important parce que, et qu'on déterminé à venir politique, il y a eu de peur. Mais aussi, qu'on déterminé à venir politique, il y a une union sacrée. C'est possible que tu diriges Mboko pendant même 50 ans. Même pendant 100 ans. C'est possible. À condition que Moussala toko sala pour le peuple et à Makassi. Ce toko sala Moussala et à Malamou. Ce que le peuple a continué à témoigner de son soutien à la solidarité, Moutounion sotoko tiaka namapona minamboka au Congo à cause. Vous savez, les partis politiques, il y a Nelson Mandela en Afrique du Sud, et Zui et Banda besoin d'indépendance. Vous savez qu'on gagne kaka. Les présidents de la République se succédaient au sein de la même famille politique. Et c'est un peu comme ça, na Kenya, juste avant que l'opposition ait gagné avec Ruto. Mais c'était le même parti politique. C'est possible aussi en République démocratique du Congo, dans le leadership de Mokonzi Mboka. Avec Makamu Toko Sal dans le deuxième mandat, tout poser ma chalon pour créer édifice politique Mokonzi Mboka. Parce que là, nous sommes en train de jouer entre des camps. Les étrangers et les Congolais. L'influence du mal et l'influence ya bolingo ya Congo. Ligne Zawana, nous sommes à la croisée de chemin. Nous, notre rôle et Kozala consistera à soutenir les Congolais, les nôtres, pour que pouvoir et kendete na maboko ya étranger. Tout va se jouer dans le mandat de Mibalo. Nenge toko tambou samboka, nenge toko kamba yango, nenge peuple yako se retrouver dans l'action gouvernementale nabiso. Yango ba ventire yate. Na salue prier ya tata nabiso. Ya molimo. Le pasteur Roland Dalo. A sengi tata nzambe. Ope sa mokon diambo ka sagesse. Yako pona ba collaborateur ya bien. Alobi to lembi mi yibi. To lembi ba détourneur. Oui! Il a dit tout haut, ce que tout le monde dit tout bas. Tolembi bamiyibi tout autour ya Mokonzi Mboka. Ce mandat est mis balé. Mokonzi Mboka, casting na yo, et ça la basé sur la moralité. Toyebi yo bien. Ozali mouto jijaka batouté na ba suspicion. O jijaka batouté na lokuta. O jijaka batouté en fonction de l'information ba ko parvenir yo. O jijaka moutou selon ba fait. Wane zaki pona mandat mibale. Mokonzi Mboka pona mandat mibale na sengi o dodo kolo. Pardon! Pardon tata! Changez! Changez penza!
Quand je suis battu, tu prends la baffe. Aux yeux, tu es là, nous, à ce ministre, après, il y a eu pour sanctionner. Aux ans, il y a information, aux ans, il y a un canot. Si on a eu une vie, il y a eu une vie, il y a eu une vie, il y a eu une vie. C'est facile. Aux ans, il y a eu une vie sur l'État. Et donc, si on a eu une vie, quand il y a eu une vie, il y a pour sanctionner, te anticiper. Moto moibi moto boka déjà par le passé na ndenge ya mabe ko pesa chance ya mibale te monsieur Mukonda Mboka, vous n'avez plus le temps pour ça. Vous avez 5 ans ya boulot, 5 ans compact ya boulot, et pour ça dès to ko banda il faut force malamoko. Ces aventuriers ko pesa chance ya mibale viendront affaiblir élan wana. Ce qui m'a dit, il y a un peu de temps, il y a 100% et 60%. Tu as 50%. Le temps, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Il faut donc faire la mino comme moi, ma casse. N'est-ce que tu as un premier mandat, mais est-ce que tu as accéléré? Je ne sais pas si tu as un important. Mingi, on a ce pays. Et donc, il y a créer les emplois. Créer plus d'emplois. Oui, le Congo a besoin de créer plus d'emplois. Mukonzi Mboka, voilà ma kanisinangai. Pourquoi ne pas qu'on s'initie ma mandataire, ma contrat de performance, de te lancer que chaque province, au regard de la potentialité, ait créé des entreprises par an. C'est-à-dire, vous mettez tous les stratèges possibles. Ma start-up, législateur, botier bango na basse fond, ba concevoir makanisi avec objectif tous les un an deux entreprises par province. C'est-à-dire pendant 5 ans on aura 10 entreprises par province multipliées par 26 provinces, nous aurons 260 entreprises en 5 ans. Mon amour, on était à gauche, à droite, à l'unité. Concentrer création d'entreprise, concentrer justice. Justice pour Miyibi, basa la frapper, babanga aussi ma caisse à l'État, pour ma prochaine année, Simba, concentrer ma entreprise. Les entreprises amèneront, apporteront les restes. Ces entreprises, bah, vous en avez pour ça, il y a l'énergie électrique, et alors, Kouregoya, bah, vous en avez pour ça, il y a maï pour alimenter production, maï goya. Bon, on a posé un zéla pour évacuer les produits dans le bango, zélé gokota. Bon, on a plutôt pour travailler dans le bango, pour la banane dans le bango. Alors, les soins de santé. Bon, on a l'école, les écoles pour les travailleurs et leurs enfants. Donc, en implantant une entreprise, tu résoudre le problème de la société. Maï, transport, chômage, njala. Tu crées classe moyenne. Concentrons-nous sur ça. La justice, création d'emplois. N'allons pas dans beaucoup de choses. Tous à la carouana focus. Et le président de la République, n'a eu qu'il y connaissait au lobby. Et ça, c'est important. C'est possible de créer des entreprises. Mais ça demande beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Beaucoup d'intelligence. Province dans province, c'est une potentialité. Vous allez à Anini, Bazan Mabanga, cimenterie. Donc, tu as cimenterie. Comme Bazan Mabanga, Bazan calqueur, Bazan matière première, tu as un goût. Ah, Bazan Anini. T.A. tout ça en or, c'est bon. Ah, tout ça les raffineries à or. Ah, besoin de pétrole. Sozir, salamoussala, raffinerie à pétrole et bandiao. De te lancer la potentialité. Ah, besoin d'anini. Zamba. Terre arable. Allez, nini. Bilanga. Entreprise, il y a production. On met une entreprise, il y a production agricole. Une industrie agricole dans la province. Ce qui te sali pendant 5 ans. Mukonzi Mboka, tant que aussi de sa mandat na yo ozala olobi, je suis fier d'avoir laissé un Congo ya modèle ya boye. Et ko sala kake mutu nyoso ozala to rotia a koleka kaka. En face, il y a personne. Notre bilan, notre travail ya mandat est ko déterminé sort na biso politique. Et donc c'est important, nous avons des gens valeureux na kotanga ba komba ba tuté ngaza mutaba jale loté, mais to sala mutu lokola président Teams. Président Teams, il faut des hommes d'intégrité, de moralité irréprochable, au PC responsabilité à Saliango. Président Teams, ou à IDPS France. Dans Mando, à quoi jouer un rôle, mon gars, peu importe. On a besoin de convictions, des hommes de convictions, des hommes, des femmes, des valeurs,
des moralités, des moralités. Les intelligences, il y en a, mais moralité, zaté. Bah, professeur d'université, miibi. Bah, docteur, miibi. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de moralité. Moralité reposée. Donc, dans ce pays, nous avons le bilan solo et emploi, créer emploi, accélérer la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Oui, on a besoin de l'entrepreneuriat des jeunes. Protéger l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'on promouvoir, qu'on booster. Ces petites entreprises créées à gauche et à droite et qu'on absorbe le chômage. Et qu'on sache que jeunesse, à la sous la délinquance, à la inoccupée, parce que vous en avez moins de copes, n'ayez pas ça pour ça là. Nayoki Makambebele, inspirité et tout ça, protéger le pouvoir d'achat des ménages, évidemment le pouvoir d'achat. Dollar, dollar, dollar. Je proposais de dédollariser l'économie Nabisso en imposant que les dollars américains et la ressource mbongo et rosal ranango ba chaté. Moutako ken refout en dak, dollar. Moutake rolinga moisi, dollar. Transport européen salikango, dollar. Il faut qu'on évite de recourir à dollar pour nos transactions, pour nos bachem et ainsi de suite. Dollar est comme la monnaie des banques. Si vous avez un dollar dans la banque, dans ma banque, mais comme ça, na ONG, na refout à loyer et comme un franc congolais. Pour que tu aies limité la dépendance de la dollar américain. Na qui ça, au PC, moi, si je suis un franc congolais. Alors, il y a un peu de temps. Franklin, vieux Franklin. Au moins, il y a. Donc, ce sont des choses de ça là. Accélérer, accélérer aussi les projets 145 territoires pour aimer, bloc et belé, effet et belé sur la société. Enfin, que les Congolais. Na manda ou ami balé ba lobapenda ke iyo le président de la République okoukoti ke la biso sika wa mboka o izana na ray ndeko eloka suka rabi mokoko pardon ilza eloka mutu ya fona lo bayango wa Kabila azo étonné biso te na silence na ye. Il est vraiment silencieux, tout le monde le sait, mais en eloko moko o Kabila azo étonné biso te sur le silence. Oui, nous étonne, mais l'autre azo étonné biso te mouyibi na ye. Kabila Kabila Kabila, Kabila, nini papa. Et pas baïba, kabouete. Mais nous avons une révélation où tu es bima. Kabila, ça, là, n'a rien sur ça, là. Mais Kabila, à se permettre, bah, tongi hôpital, dans mon goût à l'état, à tchango na kombo naï. Papa, et ça, kindoki, kolokama, et ça, nini, Kabila. Donc, un hôpital construit avec les fonds de l'État congolais. Na valeur, il y a plus de 18 millions de dollars. Or, cet hôpital appartient en réalité à Kabila. Titre Ezawana, Ezana Kombo ya Kabila. Donc, un hôpital de l'État, mais qui porte le nom, dont le certificat d'enregistrement, bah, document, propriétaire Nango, c'est l'ancien président de la République. Pour le bâtiment, il y a un problème personnel à Kabila. Mais ma bé na yé, le ki, ma bé, ma bé, prince Makas. Boyoka. Kabila, Azali, na hôpital, Azali ou Apezali na Tanganyika, na province de Tanganyika, na Kalemi. Banani basali, enquête wana, Azali ba komi, ya l'État, na mission, na Kalemi moutou basali, eloko wana. Hôpital construit avec l'argent de l'État congolais, mais dont le certificat de concession est comporté noir sur blanc. Noir sur blanc, combo ya président honoraire. Joseph Kabila. Hôpital Wana, Ezali construit na Kalemi, na province de Tanganyika, Ezali mis sous la propriété du président Noé. Bien qu'il soit c'est un bien terminé et plus opérationnel. Montant décaissé. La Pessikombo, il y a banque et Pessaki, montant pour la construction, il y a hôpital Wana. Banque centrale du Congo. Compte. Oyo, place Mbongo Ezalaki. First Bank, 18 millions de dollars. Coût global, il y a construction hôpital. Voilà. Certificat d'enregistrement d'Ango, Yoka. Le certificat d'enregistrement de l'hôpital, Kombo d'Ango, Espoir, renseigne que la parcelle située dans la commune de Lukuga, numéro cadastral, 10664. Numéro cadastral, 10664. Superficie, 20 hectares à Kalemi, est une propriété privée de l'ancien président Joseph Kabila. Les 10 certificats d'enregistrement a été établi le 11 avril
2022. Donc, Kabila Tiki Bokondi, parce que Bokondi est la 2018. À sa passation civilisée à pouvoir en 2019. Mais à sa certificat d'enregistrement, Mokolonini, le 11 avril 2022, il est à noter que la division provinciale de l'urbanisme et habitat de Tanganyika ne reconnaît pas avoir délivré un permis de construire au nom des propriétés renseignées malheureusement sur le certificat. Donc, le nani service Nabiso, na province, il y a urbanisme et habitant, bah, le bito pesaka kabil autorisation te a tonga propriété. Donc, bah, pesaka l'État congolais a tonga. Mais nenge nini, hôpital wana, ezali na kombo, il y a Joseph Kabila Kabange. Pendant ce temps, je pense que combine salamagita on dekonaye Zoé Kabila, azaki gouverneur. Tanganyika. Ezali Mawa, cet homme a dirigé le Congo pendant plus de 18 ans. Même les hôpitaux de l'État. Atiango na Kombonae. Kabila. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il y a des gens qui disaient qu'Azonga a pouvoir et tout ça. Et ça, car à l'image de Makamutomoni. Zonaye, parc animalier. Et Kingakat. Ezana Nyonso. Ezana Nanti. Mais bah, Zoé à Congo attend mon côté Kabila réhabilité pendant 18 ans. Ça dit long sur cet homme. Ce monsieur n'avait aucune considération, aucun souci pour les Congolais. Il est venu ici pour faire les affaires et il a continué à faire ses affaires, lui et son épouse, Maman Olive Lembe. Bandeko et Monsieur Sili, mes félicitations à l'endroit du professeur Modeste Bahati pour ce travail accompli. Il démontre qu'il est la cheville ouvrière de l'Union sacrée, les partenaires crédibles du président de la République, il faut compter pour ces 5 ans la collaboration entre ces duos indissociables pour le service et le bien-être du peuple congolais. L'UDPS, l'AFDC, vraiment au côte à côte. Dans la législative provinciale, l'UDPS a raflé sur 689 élus. L'UDPS, 92 élus, bah, députés provinciaux. L'AFDC, 78 députés provinciaux. L'INC, 51 députés provinciaux. Et le MLC, 34 députés provinciaux. Ça, c'est clair. L'AFDC est une force politique aux côtés de l'UDPS qui, ensemble, nous allons travailler pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons un rôle majeur à jouer. Ceux qui continuent à dire qu'on a nommé les nôtres, mais pourquoi on n'a pas pu avoir la majorité, Bissot, AFDC? Parce que si on nommait, si on avait ces pouvoirs de nommer, on pouvait se décider aux majorités d'Ectoligui. Non, mais tout ça derrière l'UDPS. Ça prouve que c'était une bataille et on a travaillé dur. Chacun a joué où il a mérité. Et n'a pas si félicitations à patriarche, le professeur Modeste Bahati Lukubo. Et monsieur Sili, mes remerciements à notre président Chims, Kouloutou Abisso. Merci pour tout, pour les conseils. Je pense que vous allez jouer un rôle important dans le mandat Mibale à Mokonza Mboka. Tel est notre souhait. Mbote na Mama Inès, votre tendre et chère épouse. Vraiment, nous allons continuer à combattre la bino. Zéphilomele, Chikito Mouchachino, Kouloutou, papa. Vraiment, merci Ebele. Bozali Ebele, Stéphane Milando, Didier Baye Mbombo. La liste elle est longue. Bamsusu bayo ki bakombote boye bake na lingi bino makasi ndembe bino bolinga makasi. Ciao. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.